Eh bien le bonjour les amis, c'est Clad et aujourd'hui on est parti pour un petit let's play découverte sur Quantum Replica. Alors Quantum Replica, c'est donc un jeu d'infiltration qui est sorti aujourd'hui sur Xbox One, sur toutes les consoles je dirais d'ailleurs, et c'est sorti il y a au moins, oula, facilement 3 ans sur PC, donc on est un petit peu à la bourre. Donc c'est un jeu d'infiltration comme je l'ai dit, sorti aujourd'hui. Édité par P-Cube et développé par On 3D Studios. Voilà. Et le jeu il coûte vraiment pas cher, il coûte seulement 9,99€ sur console. En tarif promo de moins 10%, donc 8,99€ actuellement, pendant 14 jours, pour ceux que ça intéresse. Donc 9€ le jeu, franchement ça va. Après les critiques sont plutôt mitigées sur ce jeu, il n'y a pas beaucoup de let's play en ligne, enfin à part la mission 1. Pour un jeu qui a 3 ans, je trouve que c'est un peu. Ça annonce la couleur quand même, donc je pense que le jeu va être moyen. Voilà. Après le tarif voilà, est pas excessif, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc, bah on est parti, hein. On va tester ça. Donc alors français, vibration, oui. Les commandes, ouais, je pense que je vais voir ça in-game de toute façon. On survole vite fait. Ok, je pense que j'aurais plus ça in-game. Gamma, j'y touche pas. Volume, tout est au max. Hop, et c'est parti. Bon, je m'attends pas à une grande réussite, mais on va voir. Today, we secure our future. Today, we end this war. Are you ready? We don't have a choice. I wonder. Ça c'est nous, un petit côté cyclope du X-Men. Or will he break? We shall see. Oh, je viens pas expliquer aussi le pitch du jeu. En gros, on est dans un univers cyberpunk, je pense que vous l'avez remarqué déjà, et comme beaucoup de jeux qui ont un univers cyberpunk, les méga corporations ont pris le pouvoir. Donc là, c'est en l'occurrence, ça s'appelle le syndicat. Ça gouverne un peu tout dans le monde. Et voilà, en gros, la petite populace, elle se fait massacrer, enfin, elle se fait maltraiter, réduite en esclavage par les grandes corpos, par les flics et autres. Et là, en gros, bah, moi je suis membre d'une rébellion en gros et j'ai essayé de libérer le bas peuple, on va dire. Voilà, c'est le résumé basique. Je suis un mec amnésique de ce que j'ai pu voir dans le synopsis. J'imagine qu'on fait partie de quelque chose de plus grand, mais qu'on a complètement oublié, j'imagine. On va voir. Bon, graphiquement, c'est assez fade, mais c'est pas moche. Ça manque de détails, mais ça va. Remember your training. Kill the top guard first so his comrade doesn't see you. My training? This is insane. Where am I? Why can't I remember anything? Calm down. It will come back to you. You still have the muscle memory. Keep moving. Ça c'est un sigle, mais est-ce que... Ah, on peut lui parler, d'accord. Je pensais que j'allais le tabasser. Ça sert à rien. Alors, appuyer pour étourdir ou maintenir pour tuer, c'est ça? J'ai bien compris. Je vais faire un petit serment. Je vais
Je vais essayer de ne pas tuer d'ennemis dans ce run. Juste mettre KO. Ah d'accord, par contre, faire un stun, ça consomme de l'endurance. Ok. Si je déplace, ça consomme aussi ou pas? Non, ça consomme pas. Donc la caméra, on peut la déplacer librement, ça c'est pas mal. Donc il y a un succès pour faire tout le jeu intégralement sans tuer personne. J'ai essayé de le faire. Par contre, ce qui est chiant aussi, c'est qu'il y a plein de succès liés au kill. Ça, c'est vraiment débile. Dans ce genre de jeu, je déteste les succès contradictoires. Donc là, tuer, ne pas tuer, quoi, en l'occurrence. Oui, j'ai compris comment on fait. Oui, merci. Oups. Ah, mais... Casse-toi le tuto, j'ai compris comment ça marche. Atteindre l'entrée de la cave. Afficher la carte et la quête. Ah, par contre, j'ai la barre de stream pile sur les commandes, ça va être compliqué. Ouais, heureusement que j'ai le retour. Alors, naviguer, ok. Zoomer, ok. Et retour. Et... piller. Des ordures, ok. On peut donc piller les... le décor. Et du loot, c'est cool. On peut même piller les ATM, c'est sympa ça. Bah y'a rien non plus. Syndicate forces have established a checkpoint. You need to take him down at range. Check that alley. There should still be a resistance cache. Ils ont pris mes enfants. Sympa, très très sympa. Munition non mortelle ou mortelle? Trank rounds are quiet, but targets can wake up. Your call. Ah! Ah, les cibles peuvent se réveiller. Munition mortelle ou non mortelle, d'accord. BMD pour le menu. Oh bah c'est pareil, ouais, c'est au choix. R pour choisir, c'est une droite. C'était pour viser. Oh, par contre, le... on voit à peine le pointeur laser. Ouf. Là, on le voit. Là, on le voit plus. Là, tu le vois quasiment plus. Non, d'accord. En fait, tu le vois quand il est fixe. Quand il est en mouvement, tu le vois à peine. Alors. Du coup, j'ai pris des minions mortels. Ça c'est bien ma veine. Dans tous les jeux d'infiltration, tu peux être sûr que 9 fois sur 10, quand je vais vouloir stun un mec au corps à corps, et ben dès que je vais être derrière lui, il va se retourner. Quasi toujours, ouais. Quasi. C'est quoi ça, c'est le décor? Good. Let's pick up the pace. Running covers ground quickly, but you will alert any syndicates in the area. Your quantum display should show you how much noise you're making. Damn it! Syndicate's putting this entire area on lockdown. We don't have much time before they box you in. Let me check their comms. Okay, I have new coordinates. Go to the city square, through the back alleys.
I will re-establish contact once it's safer. Go! Je prends des munitions. Ah, succès déverrouillé. Boîte d'objets ouverte. Ah, c'est des boîtes d'objets, pour moi c'est des ATM, enfin des... distributeurs automatiques de banque, un truc comme ça, vous voyez. C'est clairement pas des boîtes de munitions, je ne sais quoi. Je peux aller là, je pense, ou je peux aller là-bas, non? Tous les gens sont paumés. Ils ont pillé ma maison, ils ont brûlé ma maison. Ils ont tué mes enfants, ils les ont enlevés. Restaurer la santé, ouais, ok, des kits de soins, d'accord. Non, je veux dire, c'est pas drôle, mais bon, tous les PNJ, ils disent que... Enfin, ils se plaignent tous, en fait, donc c'est... Ça fait un peu cliché. C'est que du ouin-ouin. See that panel on the wall? Hack it, and you can look at nearby cameras. Mm-hmm. On peut faire du piratage. Access granted. Ah, c'était juste ça, d'accord. Faut juste trouver le même mot que marqué au-dessus, d'accord. Et donc, je fais quoi avec ça? C'est juste pour avoir un petit plan des lieux, comme ça, vite fait. Vu qu'on ne peut pas déplacer la caméra ni marquer les ennemis, c'est pas spécialement intéressant, j'ai envie de dire. J'ai pas été en arrière, je vais aller voir, vite fait. C'est mon petit côté complétionniste, j'aime bien fouiller partout avant de me barrer. Parce que les devs ont annoncé le jeu comme une sorte de Metroidvania. Alors je sais pas si du coup le jeu est ouvert, ou si c'est des niveaux plutôt fermés, je ne sais pas. Ne buvez pas cette eau. Merci, merci. Tout ça pour ça donc, ok, donc un cul-de-sac. Je sais pas si dans ce jeu ça paye d'explorer. Je sais vraiment pas. J'ai pas atteint un thème aussi derrière. Il m'avait semblé. Mais... Merde! Quel con! Mais quel con! Mais ouais, les mecs se réveillent. Reprenons partir du point de contrôle, c'est plus simple. On va pas se prendre la tête. Bref, du coup j'en suis où maintenant? Ah là, on peut peut-être fouiller ça, non? Ouais! Des ordures, trop bien! J'en rêvais. Par contre, vire-moi le tuto, j'en veux pas. Munition mortelle. On peut avancer. Ah, en même temps, je suis un petit peu con parce que moi je fonce sur les mecs. Alors que c'est un jeu d'infiltration. C'est pas un truc de rush. Des fois, j'oublie. Je vais quand même faire un run un peu propre quand même, minimum. Le hack est tellement bidon. Je crois que c'est le mini-jeu de hack le plus bidon que j'ai vu de ma vie pour l'instant sur un jeu vidéo. Après c'est que le début, ça peut peut-être se corser, mais honnêtement j'y crois pas trop. Allô. Le truc c'est que là les mecs ils se... Je vais les laisser passer ici, après je vais les tabasser par derrière. Ouais. Je fais n'importe quoi. Recommençons.
J'aime pas recommencer en boucle dans un stream, j'aime pas ça, parce que du coup ça fait un contenu un peu merdique. Je me suis complètement chié, quoi. Blablabla, oui. C'est de ma faute, hein. C'est juste que je vais être trop pressé. Non, parce que le mec, du coup, je commençais à le voir qu'il faisait demi-tour, mais en fin de compte, non, c'était juste la lampe torche. Là, il fait demi-tour, par contre. Alors, j'ai pas compris. Ah, lui fait pas demi-tour. C'est un petit troll. Oh, lui, je vais te le tabasser. Hop. Je vais faire ça proprement. Voilà, je vais mettre là à la lumière. Donc, je pense pas que Lia va le voir ici, mais donnerait. Donc, lui il arrive, l'autre il est planqué là. Mais il y avait un quatrième mec, j'ai pas compris d'où il vient. J'en ai vu que trois. Il fait quoi? Il continue. Comme prévu, son pote il ne le voit pas. Bah là, c'est quand même le mec que je contrôle, hein. Il a une super force. Hein. Voilà. Tac. Ensuite. La carte fait quand même un peu basique. Mais bon, au moins il y a une carte déjà, ça. Qu'est-ce que c'est que ça, terminal? Succès déverrouillé, piratage. Pirater un terminal. Quoi, c'était juste pour ouvrir une porte, c'est tout? On s'en fout. Des ordures, il n'y a que des ordures dans le jeu. Est-ce que je peux pas mettre le coffre dans la voiture, non? Dommage. Syndicate hasn't dismantled a temporal relay yet. Most people can't use it, but you can. Our lab tech says it creates little folds of space and time, allowing you to preserve yourself. If you die, it keeps a copy of you. Good as new. What? Are you serious? That's impossible. You'll need to trust me on this, but don't get too excited, kid. Torture won't trigger the effect. You don't want to get captured. Also, excessive reproductions can lead to... Sympa. Bon, le jeu est save. C'est quand même un peu nul, je trouve, c'est que pour repérer les ennemis, faut voir des lumières. Mais bon, le décor fait les mêmes lumières, quoi, quasiment. Quand tu vois la lumière du camion avec celle de l'ennemi, c'est quasiment pareil. C'est vraiment bidon le piratage. Là, il y a trois soldats, ok. Ah, le gameplay est pas mal par contre pour ça. Bien rapide, ça j'aime bien. Est-ce que c'est que ça des munitions? Throw the bomb to lure targets into specific locations. From there you can bypass them or eliminate them. Ouais, c'est un leurre, quoi. Ouais, c'est là. Bouteille.
contre, les munitions, elles sont vachement... Il n'y a pas des masses, hein. Ouais, mais du coup, comment... Comment je fais, là? Celui-là, j'imagine. Ouais. Faisons ça comme ça. Alors, c'est qu'un test, hein. Je pense que je vais me foirer, mais je teste quand même. La cinématique à chaque fois, c'est dispensable honnêtement. Une bouteille, yeah! Drôle d'ATM quand même. Tu trouves des munitions, des... C'est quoi ça? C'est le décor? Je sais pas. Des munitions, tu trouves des bouteilles, tout va bien. Donc là, il faut encore que j'y aille avec la bouteille. J'en ai plus, hein. Mais non, mais tu te fous de ma gueule. D'où je me suis fait repérer? Heureusement que le succès, c'est juste terminer une mission sans se faire repérer. Une, ça suffit. C'est pas tout le jeu. Oh là là, il réveille tout le monde. Arrêtez quoi, arrêtez. Comme par hasard, les mecs se retournent pile dès que je suis collé à eux. J'ai tous les planqués comme ça. C'est sans fin quoi. Arrêtez les mecs, arrêtez. Faut que je sécurise mon petit bastion de cadavres là, enfin de corps endormi. Parce que s'ils réveillent tous à la suite, ça j'ai pas fini. Quoi? D'accord. Non, ça a juste bugué. Oh mais non, mais ils se réveillent déjà les mecs. Mais attends. Ouais, en gros les mecs que je stun, ils sont stun pour quelques secondes. C'est chaud quand même. The syndicate isn't taking any chances with you. Their soldiers have locked down the entire neighborhood. Let me check their comms. They haven't finished securing the rooftops yet. Get up there, now! On va faire du parcours. Quoi qu'il y a ici? Rien? Rien. Pas beaucoup d'exploration, hein, comme je disais. Hein. Ça reste quand même plutôt linéaire pour l'instant. Arrêtez quoi, mais arrêtez. Mais en plus j'essaye de jouer furtif. Parce que le jeu me dit appuyer sur Y pour être en mode furtif. Je suis pas fou. Y mode discrétion. Et... Y a pas de différence, hein. C'est le mode de déplacement normal, je crois. Je sais pas.
pourquoi 9 conteneurs sur 10 que j'ouvre, il n'y a rien dedans. Eh non, toujours pas. Je suis pauvre. Pauvre en munitions, pauvre en tout. Pas de richesse, pas d'amis, rien. Dans ce jeu, je suis juste seul avec mes bouteilles. Faceless corporations and their mercenary armies. The resistance has been fighting to change that. You have been fighting to change that. You don't remember, but something special happened. It's different now. You can finish this fight. Allons d'abord explorer par là-bas. Au moins, ce qui est bien, c'est que le sprint est illimité. Ça, c'est cool. Donc là, c'est un cul-de-sac. Faut que j'aille par l'autre côté. Et du coup, est-ce que c'est une ville ouverte? Ou est-ce que c'est vraiment des niveaux scriptés et limités, plutôt fermés? Je ne sais pas. Pour l'instant, je sais toujours pas. The Syndicate shut down the generators months ago to limit our movement. Since then, resistance forces have been driven out to this part of the city. If we are going to get out of here, we need to reactivate those generators. Updating your quantum display now. 3 générateurs dans chaque zone. Ok. PDS redonne toute la vie, ça c'est cool. Il y a un générateur, j'imagine. Our intelligence shows a portable power block nearby. Secure the power supply and bring it back to the generator ramp. Wait, something is coming through the comms. They know you're coming. Stay focused, Alpha. On peut se cacher là-dedans, d'accord. Et que je cache son cadavre avant que la caméra le repère. Attends. C'est là où je devais aller. Non, c'était pas ça? Bah, ça a ouvert une porte ici. Le terminal n'est pas activable, je comprends pas. Quel étrange jeu. Peut-être celui-là d'abord. Peut-être pas, je sais pas.
L'autre s'est déjà réveillé, vous vous rendez compte? Ouais, en gros, si tu veux jouer furtif, ou en tout cas ne pas tuer les gens, mieux vaut esquiver les gardes plutôt que de vouloir les stun. Les stun, ça sert à rien. Ok. Attends, je peux lancer par-dessus? Non. Si? C'est quoi ça? Objectif peut-être. Attends, je sais pas, c'est bizarre. Oh putain, on était sûr. Et... quoi faire? Que dois-je faire avec tout ceci? Ah, il manquait du courant, mais en même temps c'est pas tellement expliqué. Il faut deviner beaucoup de choses dans ce jeu. Donc là, raccourci, ça me ramène là, d'accord. Le terminal est là. Ça fait quand même beaucoup de boutons à activer dans le jeu. Ouais. Alors par où je dois sortir? C'était par là, non? Ouais, c'était là. Faut vraiment pas se perdre. Rien, comme d'hab. Je suis pauvre. Petite save. Munition mortelle, j'en veux pas, super. Il me donne que ça dans le jeu. Oh. Les rares fois où j'ai un loot, c'est pas intéressant. Ça se pille pas ça, non? Non. Ça non plus. C'est quand même plutôt grand. Le symbole de Watch Dogs. Bon. Que des munitions mortelles, j'en veux pas. Il y a des 8 mortels, 2 non mortels. On n'en a consommé que une, je crois. Peut-être 2. Non, une. Le jeu vous incite à tuer les gens. Moi, je ne veux pas tuer. Ah d'accord, ça casse. Ok. On that temporal relay, that is a quantum power module. It contains the displacement assembly shift helix. Or Dash, for short. It allows the user to tunnel through space and time at the quantum level,
tunnel through space and time, quantum, Althus, I need to know what the hell is going on. I'll explain everything when there's more time. For now, you need to know about Dash. There are short-term and long-term consequences. The technique generates large amounts of heat. Using it too much will cause your systems to overheat. Trust me, it's an unpleasant experience. You might notice the ground here is unstable. That's because messing around with quantum physics can destabilize the world. This ground exists in certain folds of space and time, and not in others. If you interact with these unstable patches, the delicate balance between these two states collapse. When the area isn't under pressure, time resets itself in the area. This is insane! What exactly have you and the Syndicate been up to? It's a long and bitter story. And I have told it many times. Un peu rigide le gameplay quand même. Let's focus on your technique. T'as du mal à enchaîner les dashs. Et pourquoi il veut pas? Et des fois il veut vraiment pas le faire. C'est très étrange. Oui, il veut pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourtant j'ai beau spammer le bouton ou essayer de le faire en rythme avec mes dashs. Pas du tout, il veut pas. Ouais, bizarre. Courir et sprinter, oui merci, j'avais compris déjà. Le jeu a le don de te mettre des tutos après que tu aies déjà compris comment faire, mais c'est pas grave. Oui, je suis mort, super. Parce que le gameplay était pas aussi relou. Attends, faut que je refasse ça ou... Non, c'est hyper déjà. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi des fois... Pourquoi des fois le dash marche et des fois il veut pas. C'est le gameplay qui est pété ou est-ce que c'est moi qui ai mal compris un truc? Je sais pas, je pense pas. Non, je pense avant le gameplay qui est pété. Je sais que souvent c'est la faute de la manette ou c'est la faute du jeu, mais... Ah, c'est vraiment la faute du jeu, quoi, merde! C'est quoi, c'est mort? C'est frustrant! Surtout, c'est illogique, des fois le gameplay il passe super bien, puis des fois non. Pourtant, je suis pas en surchauffe. J'ai rien à comprendre. Et de deux, plus qu'un. Eh mec, il copie en plus. If I remember correctly, there is a way around, but things have become complicated. Au moins le gameplay est quand même plutôt speed, ça c'est bien. C'est assez plaisant à prendre en main. The civil war that followed the Syndicate's rise to power has been brutal. Entire districts have gone up in flames. We're going to have to engage the water grid if we want to reach that generator. The rooftops and piping should provide safe passage. Marking the locations now. Il y a des petits pics de lagouille, hein. Ouais. Le jeu est pas ultra fluide, on dirait, c'est dommage.
Ah, t'as des micro-freezes. C'est peut-être des micro-temps de chargement, je sais pas. C'est pas ouf. Il s'agirait de pas tomber là. C'est pas là. Presque, mais non. C'est en haut. Je suis en bas. Je passe par là-bas, je pense. Ou par là. Restaurer la santé. Mais non, je voulais pas tomber. C'est pas très très lisible quand même. On ne peut pas zoomer la caméra en plus. Je sais pas si je suis là où il faut ou pas. Au moins on peut se laisser tomber là où on veut, ça c'est bien. Il n'y a pas de mur invisible pour chaque étage, ça c'est bien. Dans beaucoup. Et de une. On va pas s'approcher. Je dois aller où maintenant? Y aller. Et il faut deviner. Ah non, super, en plus retour au début. Oh. Joie. Je pouvais pas me save le la pompe que j'avais déjà récupérée. Enfin, active. Ça s'appelle la cinématique, hein, bien évidemment. Parce que là, je peux pas y aller. Si. Sans moyen, ce coup-là. Là, je vais crever si j'y vais. Non. Comment je remonte? Ah bah. Des munitions cool. Ah, t'es sûr, on peut y aller. Je ne peux prendre que les doubles tuyaux en fait. Pas les simples. Pourquoi? Je ne sais pas. Looking good, Alpha. The way is clear for the generator store facility. Marking the locations on your quantum display. Non, là, c'est le retour en ville. On se perd facilement quand même.
J'aimerais bien quand même récupérer la boîte de munitions qu'il y avait. Déjà que je suis pauvre. Le problème c'est que je ne sais pas comment la choper, cette petite boîte. Ouais mais c'est pas bon là. Attends mais... Et ouais si je fais le dash. On oublie toujours ce bon vieux dash. Donc là c'est quoi? C'est la porte. Je suis trop bête, j'avais carrément oublié le dash. Depuis le début. Ça aurait facilité grandement les choses. À chaque fois. Suivons tout simplement ça. Mais non, c'était l'inverse en fait. Oh, j'aurais dû venir en arrière. Je vous jure, avec ce jeu, on se paume tellement. La carte. Ben non, mais je peux pas y aller. Terminal générateur est. Oui, et là c'est quoi? Porte de la salle du générateur est. Donc c'est d'abord ça, logiquement. D'abord le terminal. Et comme dans le jeu, tout est verrouillé. Logiquement ce serait là. Y a pas d'autre chemin possible. Non maintenant c'est l'inverse, non, c'est d'abord. D'abord l'autre. Oh, quel enfer. Ça donne pas envie. Où je suis ça comme ça. Mais ouais mais attends, là du coup il faut que j'aille. Faut que j'aille là. Ouais, c'était là. Heureusement qu'il y a une carte. Got it. Time for a brief? Afraid not, Alpha. Syndicate patrols know you're in the area. Keep moving. Je pense que le jeu a quand même une bonne durée de vie, hein. Ça fait déjà quand même 3 quarts d'heure que je suis dessus. Ça fait 3 quarts d'heure et je suis encore qu'à la mission 1. Le jeu a 7 missions, je crois, d'après les succès, il en avait 7. Donc ouais, c'est pas mal. Je pense que selon ton style de jeu, t'en as pour... Je sais pas, c'est un peu difficile à juger comme ça, mais je pense qu'il y en a quand même pour 6-8 heures facile. Il y a une attaque au centre que nous pouvons hacker près. Avec les extra gus flowing in, nous devrions être capables de overload that massive checkpoint's power cords. Le syndicat est in for a nasty surprise. If I catch him, you will introduce me to your sister. If I see him, I swear I'll beat him up.
Mais non, c'est pas possible. Je te fais un dash et tout, le mec il est pas censé me... repérer. C'est un truc qui influe sur l'espace-temps, d'après ce qu'ils disent. Mais que dalle, je suis pas d'accord. Mais non, c'est ridicule. Je me suis caché en plein devant leurs yeux. Ils étaient 3 ou 4 à m'avoir vu rentrer dedans. Mais non, c'est bon, je suis caché. Oh mon dieu, ils essaient même pas de te faire sortir d'ici, de tirer dans le container ou autre. Je sais que c'est un jeu à 10 balles, je sais. L'IA peut pas non plus être top performance, c'est sûr. Oh oh, je suis dans la merde. Wouhou, trop bien! Oh, j'ai crevé là. Voilà. Ouais, je suis vraiment pas fan du jeu pour l'instant. Je pense que ça s'entend dans ma voix et dans mes propos. Oh, mais en même temps, le jeu est con. C'est quoi? C'est le dash qui fait un bruit? C'est quoi? Parce que le dash ne fait pas de d'onde de bruit comme la course, vous voyez, comme ça. Et pourtant, quand j'ai fait un dash près d'un mec, j'étais grillé. C'est pas logique. Sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre la bouteille et... faire un leurre. À chaque fois, dès que je suis collé à un mec, il y a tout le temps le mec qui se retourne au même moment. C'est fou. C'est fou. Ouais. Et. Tac. Ça se complexifie un peu là quand même, là, vu que c'est des symboles un peu chelous. Oups. Receiving information confirming a total KIA on the Syndicate kill zone. The way to the underground facility is clear. Good work, kid. Updating quantum disp. Bon, alors du coup, est-ce qu'on arrive à la fin de la mission ou pas? Parce que je suis quand même à une heure de jeu là. Presque. C'est ça qui avait pété, non, je croyais. J'ai envie d'explorer.
Access granted. Ça se trouve, ça sert à rien ce que je fais. Ok, il y a du monde. Un char, carrément. Je vais pas un peu loin là quand même? Je sais pas. Moi je dois aller là quand même. De toute façon là c'est verrouillé. On va y aller. Là je peux y aller mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je peux en faire. Non, 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 non. Vous me laissez tranquille. Je m'en vais. Vous voyez, je m'en vais. Je suis gentil. J'ai tué personne. Ça, c'est une voiture, c'est pas un ennemi. Retour atteint. Ah mais... Mais c'est un putain de tank. D'accord, mais d'accord, ok. Mais du coup on te fait... On te met des trucs à piller. Ah, on peut skipper avec Y. Non, mais je voyais pas. Ah, oh, super, super. J'ai même pas eu le temps de jouer que je suis, déjà mort. Super. J'aime ça. Mais c'est quoi le principe de te mettre un conteneur à piller alors que t'es dans une course-poursuite? Non. Non, parce qu'il y a un succès qui demande de récupérer toutes les... Utiliser toutes les caisses de munitions. C'est quoi les caisses de munitions? C'est les caisses rouges qui brillent ou c'est ça? Non, je pense que c'est les caisses de munitions rouges. On va tracer. Mais non, mais... C'est d'une lourditude. Juste bouger. Je dois aller où? Je sais même pas où je dois aller. Merde. J'ai pas vu. What the hell is going on? What? Who was that guy? Why did he know me? What exactly is the Syndicate trying to protect?
The Syndicate has a massive underground facility below this section of the city. It is a black site, dedicated to the research and development of quantum manipulation abilities. The tools with which the Syndicate overthrew our nation's government. That tank is only a taste of what they have developed. Intelligence suggests this site have a particularly sensitive piece of technology. One that could shift the balance of power. I'll explain more later. Hurry. Tout ça pour un cul-de-sac. Faut quand même expliquer le principe de mettre des ennemis qui défendent une zone inutile. Merde, il s'est déjà réveillé, mais attends. Je l'ai stun il y a quoi? Il y a 30 secondes le mec. Il est déjà réveillé, c'est ouf. Non mais vraiment. Honnêtement, le jeu, il est pas fou mais il est pas nul non plus quand même. Il reste juste moyen, très moyen. Et je regrette mon achat quand même. C'est quand même 9 balles que j'aimerais bien récupérer. Je pense que je peux quand même demander un remboursement où j'ai joué moins de 2 heures au jeu, mais... Est-ce que ça en vaut bien le coup? Parce que je ne jouerai pas plus tard quand même, je ne sais pas. Je ne sais pas. Rah, je suis censé aller où? C'est là peut-être, je ne sais pas, on va voir. Allez, je m'en fous. Je m'en fous. Je les tue pas, mais je trace. J'en ai marre. J'en ai marre de chercher partout. En plus, le jeu est tellement sombre que du coup, des fois, tu sais pas où tu dois aller. Tu vois pas les... Ah, c'est ça que j'avais fait, d'accord. Tu vois pas les barricades. C'est ça que j'ai fait péter, d'accord, ok. Donc c'était au tout début de la mission. Ok, donc d'accord. Mission 1 terminée. Oh non! Alors je sais que le jeu est sorti aujourd'hui sur Xbox, mais sans déconner, je suis le premier au monde à avoir débloqué le succès de finir la mission 1. Succès débloqué par 0,00% des joueurs. C'est dire quand même que... Après le jeu est sorti il y a quoi? Il y a 15 heures. Mais quand même, c'est le niveau 1. C'est juste le niveau 1. Merde. Personne ne s'est pris la peine de finir le jeu. Le niveau, hein, je veux dire. Putain, oh là là. Voilà. Updating quantum display. Ça donne pas envie de jouer quand même, vraiment. Le mec se retourne instant et tout, t'as même pas le temps de le stun et tout, c'est débile. Après j'ai pas non plus envie de prendre mon temps puisqu'il y a une alarme à éteindre, donc on te force un peu à te dépêcher. Ah, sympa les petits pièges par contre. Ça fait un petit peu plateforme, j'aime bien. D'accord, c'est trois fois la même chose. Good. Each sector of the facility has its own security system. We can use this against the syndicate. By disabling each alarm system, we can make it more difficult for their security teams to coordinate. Check your quantum display. I'm sending the coordinates for the terminal that opens the door to the next ring. Hep, hep, hep. Toi, je te restun. Et toi, je te restun. Oui, combien de temps il reste à terre, les mecs? Ridicule.
Before the war, this facility was dedicated to science. Ah putain, j'ai pas vu la caméra. Bon, allez, tue-moi, c'est bon. Ah, je suis blasé. This facility was dedicated to scientific research that helped our city. Biomedicine. Non, mais les déplacements sont trop rapides, excuse-moi, c'est pas normal. When the war broke out, the resistance was based here for a time. Let's hope syndicate forces haven't found the emergency caches we left behind. C'est quand même mal codé tout ça. Les caméras bougent trop vite, les rondes d'ennemis sont un poil trop rapides aussi. Ils se réveillent trop rapidement, du coup c'est frustrant de jouer infiltration. Ça force limite le joueur à jouer en mode bourrin. Sans deck. Bon, j'ai pas été ici ni ici. Tu peux pas cacher les cadavres dans les containers, ça serait sympa ça aussi, mais non, tu ne peux pas. Ta gueule toi, allez hop. Ah, j'ai encore trigger une alarme. Je suis trop mauvais. Est-ce que je peux pas essayer de passer entre? De toute façon, t'as trigger une alarme, t'es foutu en fait dans le jeu, parce que tout le monde sait où tu es. C'est même pas ils patrouillent dans la zone, non, ils savent où tu es et ils vont te chercher de suite. De suite. Est-ce que je prendrais pas un petit kit de soins? Ouais. Comment je le consomme déjà? Commande, utiliser objet A. Non, c'est pas ça, si. Ah, il faut maintenir. Ah, ok. Succès déverrouillé. Ah, il y a un succès pour ça aussi, d'accord. Je ne savais pas. Je ne l'aurais pas fait pour rien. Mais je me suis trompé de touche. Oh là 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 là. Je suis mauvais. Il va être réveillé, logique. C'est moi, les mecs passent pas les portes. Bon, je pense que... Juste pas celle-là, quoi. Reprenez votre ronde. La batterie chargée. J'ai retiré le câble. Ouais. Haha. Je suis mal barré là, non? C'était chaud quand même. Mais y'a rien à faire là-bas.
Bah c'est Just. Non mais mettez pas un mec là-bas. Ça c'est dégueulasse. Parce que là du coup en plus faut pas que je me faille dans mon dash. De petites enflures. Mais non mais... Heureusement. Heureusement. Non, ça a quand même trigger une alarme, il y a un mec qui court. Mais c'est débile, mais t'es obligé de dasher près du mec. Et dès que tu fais un dash, les mecs, je sais pas pourquoi, ils te grillent. Well done, Alpha. This layer of security has been breached. Oui, ils sont trigger, les mecs, ils sont accélérés leur mouvement. C'est débile. Hop, je vous enferme. Bon, on s'en sort quand même. Ouais, je voulais aller ici. Tu restes à terre, merci. Merci pour les munis. Là, ça va être chaud. Ah, mais non, mais c'est quoi ce dash? Putain, le mec qui te fait un dash, il se téléporte, soi-disant, il fait un truc dans l'espace-temps et tout, donc normalement, t'es pas censé être repérable. Mais non, je passe près des mecs, je fais du bruit, alors que ça ne fait pas d'onde de bruit. Et je passe à travers les caméras et je me fais quand même repérer, donc faudrait m'expliquer. Ouh, non, 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 je suis déjà allé ici, ça sert à rien d'y aller. Checkpoint. Oh yeah. Hop là. Alors. Deuxième terminal. Ah, des drones, c'est nouveau ça. Oh, et puis le mec il va pas bouger, tu vas voir. Il va pas bouger, c'est sûr et certain. Mais... Pourquoi il utilise pas... Mais... Il voulait pas. Mais non. Mais c'est quoi cette IA qui est chelou là? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle agit aussi bizarrement? C'est pas une IA crédible. Ou alors c'est trop crédible, je ne sais pas. Dès qu'elle voit un truc, elle fonce dans tous les sens. Elle regarde partout, elle est ultra excitée. Donc c'est quoi le but de mettre un leurre si les mecs ça les trigger encore plus? Ah je sais que je râle beaucoup mais voilà, mais y a quand même matière à râler.
Heureusement que c'est qu'une mission sans se faire repérer, parce que mon dieu, la mission elle est longue déjà. Et tu te fais repérer très facilement. Oh, purée. Moi je vais te les destroy, ouais. Oh putain, et en plus, regarde-moi ça. Ouf, heureusement que je passe dans les petits interstices comme ça. Oh mais non, je me fais repérer à chaque fois. Mais non, j'en ai marre, lâchez-moi. En plus c'est ça que je dois activer, oh mon dieu. Non, je suis totalement pas mort, mais c'est pas grave. Oh non, mais c'est débile quoi. Moi je suis équipé de 10 munitions et de bouteilles en verre, super. Ce jeu c'est David contre Goliath. T'es face à une armée de mecs ultra équipés, ultra armé et tout, avec des réflexes de ninja, même pire. Et moi j'ai que des petits cailloux quoi, c'est tout. C'est ridicule. Mais ça ne l'a pas activé. Alors c'était quoi ce bip? J'ai envie de le tabasser lui. Quoi? Pourquoi? Attends, me dis pas que pendant qu'il y avait la cinématique, le drone m'est passé dessus. Je suis sûr que c'est ça. Je suis tellement sûr. Vous voyez, c'est une accumulation de trucs comme ça qui font que bah, le jeu devient vraiment chiant à jouer. Parce qu'après, le jeu en soi, il est pas mauvais, mais bon. C'est trop de défauts comme ça qui font que c'est relou. Qui pensait le faire à 100%. Je pense que non. Ah. Althus, my senses are picking up poison. Did you know I was walking into a trap? Security must have installed toxin emitters. You can shut them down if you find the terminal. Hurry. Shit. This weapon better be worth it. Oh putain, je suis en train de fouiller partout. C'est immense cette zone. C'est tellement immense. La munition, ouais, c'est bien gentil, mais je m'en fous des munitions, c'est pas ça que je cherche là. Purée, mais attends, mais t'as vu comment c'est immense? The fuck? Encore. Ça n'en finit pas, il y a des chemins partout.
Puis je vais crever pendant le hack. Mon dieu, ma vie! Hey, I thought you knew what was up. If you're gonna keep throwing me into poison clouds, I'll just stay here and die rested. I'm trying. When you have fought the war as long as I... Je vais essayer de le refaire. Je vais essayer de le refaire, ouais, mais maintenant en connaissant le chemin, je vais essayer de le refaire mieux. Althus, my senses are picking up poison. Did you know I was walking into a trap? Security must have installed toxin emitters. You can shut them down if you find the terminal. Hurry. Shit. This weapon better be worth it. Merde, je me suis trompé de chemin. C'est ici. Je vais mourir. Non, je ne vais pas mourir. Voilà. Shut down. Hey, I thought you knew what was up. If you're gonna keep throwing me into poison clouds, I'll just stay here and die rested. I'm trying. When you've fought the war as long as I have, you tend to forget things. Don't have time for that, old man. I'm playing your pawn, for now. I'm being patient, but you'll have to pull your weight. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Tellement mauvais. EMP, peut être pas mal ça. Les mecs ont pas bougé quoi. Those
CMP grenades can be used to bypass enemies. Try it on those cards. Encore une fois, le tuto qui pop bien évidemment après avoir fait l'action, très utile. Très très utile, il n'y a pas à dire. J'aime ça, merci. Bien évidemment. Je ne peux me cacher nulle part. Je suis sur la route du mec. Je ne peux rien faire pour esquiver. Super. In these troubling times, it's important to enjoy the little things in life. Mais j'espère que ces conneries là, ça va pas empêcher d'avoir le succès de tuer, de terminer le jeu sans tuer personne. Est-ce que... Ouais, c'est un script ça. Laces off now, but we can obstruct them. Those boxes should work. Sauf qu'il y a des mecs devant moi, mais c'est pas grave. On peut pas dasher à travers. Je voulais. Je suis où maintenant? Je sais même pas où je suis. Ah d'accord. Can be used to bypass enemies. Try it on those guards. Plutôt faire ça. In these troubling times, it's important to enjoy the little. Mais ça les tue pas? Je comprends pas. Les mecs sont en plein dedans, ça les tue pas. Thank you.
Non, je ne suis pas dans la merde, non. Ça sert à quoi de faire ça? C'est pour une alarme, d'accord. Faut que j'aille là, ok. Et après, il y a ça, c'est peut-être pour la quête principale. Peut-être qu'il faut avancer là après, je sais pas. Donc, demi-tour. Ce jeu n'est pas très fun quand même. Je sais que c'est un jeu d'infiltration. Un jeu d'infiltration, c'est rarement fun. Mais quand même, un minimum. Ah, c'est pas mal ça, le mec qui est réveillé et le mec qui dort à côté. L'IA de ce jeu, c'est une pure merveille. Ouais, mais en tout cas, ouais, ce jeu, c'est une déception. Je me tâte à me faire rembourser, mais là, on approche des 2 heures et... Ouais, après, c'est que 9 balles. Je sais que les remboursements, ils sont... Ah bah là, ils sont morts maintenant, faudrait savoir. Dans le décor, tout va bien. Plap, et de 1. Et de 2. Déplacer celle-là. Ah mince. Faire avoir là. Voilà. Mince. Ah mais c'est pas fini. J'ai dû rater un truc je crois. Mince, mais je suis trop nul. J'essaie de me dépêcher, du coup je fais nawak. Je fais nawak. Ah mais c'est mort, j'ai pas le temps. On recommence. Ah mais il est short celui-là. Il est short niveau timer. Ah ouais, d'accord, en fait si tu... D'accord. D'accord, si tu merdes sur un truc, faut recommencer depuis le cran en cours. D'accord. Pou 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 pou.
Je vais quand même aller save d'abord. Dans le doute. J'ai pas envie de gâcher mon EMP pour ça quand même. Tu vois, les mecs, ça les trigger, mais tellement n'importe comment. Allez, je m'en fous. Pourquoi l'alarme reste à 30 secondes? Pourquoi elle diminue pas? Je ne sais pas. Ouais, je pense que je finis la mission et je m'arrête là. Parce que franchement, c'est pas fou. Attends, ah ouais putain, il y a tellement de chemin à faire. Wallalalala. Ça ne donne pas envie. Non, je me démerde comme bien le jeu d'infiltration, y a pas de problème. Hein. J'ai pu faire des jeux comme les Deus Ex, les Dishonored sans me faire repérer une seule fois, y a pas de problème. Parce que t'as des capacités qui t'aident à faire le jeu facilement, genre des téléportations pour Dishonored, de une invisibilité, je sais plus parler, une invisibilité dans Deus Ex. Et ouais. Mais dans ce jeu-là, t'as que dalle, quoi. T'as juste des items en quantité très limitée. T'as aucun pouvoir, à part le dash, mais qui te fait repérer plus qu'autre chose. Donc au final, c'est con. Tout ça pour une poubelle, tu vas me dire. Ouais, mais bon, une poubelle qui paye quand même pas mal. La caméra elle aide pas du tout. On va resayer. En plus je me dis ça se trouve le succès de faire le jeu complet sans tuer personne, il est mort à cause des kills faits au laser. Ah je sais pas mais. Peut-être pas, mais je. Le sens mal. Great. Getting close. Damn. The data here is encrypted, and none of our keys work. We're flying blind. I'm sorry.
Allez, grouillez-vous. Mais. Ah putain. Vous n'avez rien vu. Putain, mais c'est ouf quand même. C'était l'autre. Donc maintenant je peux aller là et après il va falloir aller ici j'imagine. Ça se trouve il va falloir faire tout le tour par là. Connaissant les petits gars du jeu là, enfin, les petits devs, je le sens bien. Connerie. Ouais. On le sent que j'ai aucun plaisir à jouer. Non mais après le jeu est pas mauvais en soi, c'est juste que... Putain le team m'a repéré. Voilà, j'ai couru un peu, il m'a repéré. Tous les tabassés, ça me saoule. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de vie. Non, mais après c'est pas un mauvais jeu, mais il a beaucoup de défauts, quoi. Surtout l'IA qui est... Mais... J'ai ouvert cette porte-là. Alors je suis comment maintenant? Ah voilà, il y a vu une alarme. This used to be a grey water treatment plant. Now the syndicate is using it to process toxins. Stay out of that liquid or it will end poorly. Ah d'accord, j'ai compris. J'ai compris. On va devoir jouer avec le dash. Non? Donc il y a un bruit de liquide. Ah ouais, si on le voit un peu, mais oh putain, faut le voir quand même. Là on le voit pas du tout. Là on voit les reflets des vagues. Qu'est-ce que... En fait, le mec, il est parti à l'opposé de la direction qu'il faisait avec mon stick. J'ai pas compris. Je pointais en haut à gauche, il est parti en bas à droite. Bon, j'ai voulu tenter. J'y croyais pas trop. J'ai quand même voulu tenter. Non, et puis ce jeu, c'est toujours pareil, c'est explorer des bases. Pour appuyer sur un bouton qui déverrouille une porte, puis appuyer sur deux boutons pour ouvrir une nouvelle porte, après trois boutons qui ouvrent une nouvelle porte. Qui allait tout le temps aller à l'opposé de là où t'étais. Puis en plus vous voyez le niveau il est grand et tout. Il y a pas beaucoup de niveaux, il n'y en a que 7 mais... Oh mon dieu quoi, c'est tout le temps pareil. Tout le temps activer des boutons. Nouvel objectif, active encore des boutons, nouvel objectif, etc. Tu te fais masse d'aller-retour dans les niveaux qui sont grands. Le level design n'est pas forcément bon. T'as très peu de planques. Ah, de toute façon, en général, les jeux de furtivité 1D sont vraiment pas fous. Récemment, j'ai fait El Hero, que j'avais streamé aussi. Pas fou non plus parce que même problème.
le décor était trop limité en interaction, du coup tu pouvais passer tel groupe d'ennemis que d'une seule façon. I'm familiar with this surprise. Stormcast. Oh, un boss. Sending boys now, Alsus. It looks like the resistance is finally done. Don't listen to him. That's Stormcast, one of the Syndicate's high command and a quantum user like yourself. He's a formidable enemy, but taking him down now will strike a powerful blow against their organization. I can hack those terminals to provide you. Donc tu mets un boss, d'accord, mais est-ce qu'il y a un checkpoint? Ouais, mais il n'y a pas de vie. Je peux pas juste le stun le mec. I'm familiar with this surprise. Don't listen to him. That's Stormcast, one of the Syndicate's high command and a quantum user like yourself. Donc non. He's a formidable enemy, but taking him down now will strike a powerful blow against their organization. I can hack those terminals to provide you with ammunition. He's aggressive and overconfident. Evade his attacks and then strike him when he is exposed. Bon, bah j'imagine qu'il faut le tuer. J'aimerais bien avoir un point de sauvegarde, mais un vrai. Un qui me redonne de la vie. Est-ce qu'il y en a un ici? Bon, allez, c'est bon, toi casse-toi. Ils me saoulent. Ils me saoulent tous. Juste un point de sauvegarde qui me redonne de la vie plutôt de consommer 10 soins. The instability is spreading. The tech they are developing here must be quantum in nature. Puis la carte en plus te donne aucun info. Où sont les checkpoints? Je ne sais pas. Oh. Donc oui, ça explique quand même le tarif. Pour le prix, c'est pas un mauvais jeu après, honnêtement. Non, franchement, non, c'est juste un jeu très très moyen, comme je disais au début de mon stream, de toute façon. Mon avis n'a pas changé là-dessus. Hein. Pas mauvais, c'est juste moyen. Mince. Voilà. C'est pas mauvais, juste moyen. Si je devrais mettre une note au jeu, je pense que ça serait un petit 11 sur 20, un truc comme ça. 12 grand max. C'est juste que m'attendais à mieux quoi. Il est pas fun. I'm familiar with it. Don't listen to him. That's Stormcast, one of the Syndicate's high command and a quantum user like yourself. He's a formidable enemy, but taking him down now will strike a powerful blow against their organization. I can hack those terminals to provide you with ammunition. He's aggressive and overconfident. Evade his attacks and then strike him when he is exposed. Another corpse from my experiments. Ah, super. Là, je le tape, mais ça le tape pas. Parce qu'il est bidon à esquiver. D'accord, mais je fais quoi? C'est bien marrant, mais. Pas le temps de lancer une MP. Si tu penses? Bah ouais mais non. Tu m'expliques là ce que je dois faire parce que. D'accord, merci. Alors est-ce que c'est le jeu qui est buggé?
Voilà, voilà, c'est super. Je ne sais pas quoi faire. L'UMP, ça fait rien. Tirer dessus, ça fait rien. Ben, je sais pas. Ouais. Merde, quel con, j'ai zappé. Don't listen to him. That's Stormghast, one of the Syndicate's high command and a quantum user like yourself. He's a formidable enemy, but taking him down now will strike a powerful blow against your organization. I can hack those terminals to provide you with ammunition. He's aggressive and overconfident. Evade his attacks and then strike him when he is exposed. Bon, pour le remboursement, c'est mort en tout cas. On a dépassé. On va dépasser les 2 heures de toute façon. Je bats le boss et je m'arrête là, mais j'aurais dépassé les 2 heures. Don't listen to him. That's Stormghast, one of the Syndicate's high command and a quantum user like yourself. Après, c'est que 9 euros. J'ai perdu que 9 euros dans l'histoire. C'est pas trop énorme. I can hack those terminals to provide you with ammunition. Oh merde. He's aggressive and overconfident. Evade his attacks and then strike him when he is exposed. Another corpse from my experiments. Mais je vois vraiment pas ce que je vais faire pour le tuer. C'est pas possible, c'est bugué ou... Je vois vraiment pas quoi faire parce que ce serait une attaque scriptée qu'il faut attendre qu'elle se termine. Ok, mais elle se termine pas. Je peux pas le blesser. Ça a l'air d'être comme ça parce que je sais pas si du coup le jeu est buggé ou si c'est moi qui rate un truc, qui comprend pas. Oui, je tente absolument tout. Absolument tout. C'est pas fou, hein. J'ai juste à rester là. J'essaye absolument tous les boutons de la manette pour voir s'il n'y a pas un truc que j'aurais zappé. Je ne sais pas. Et la contresens, je sais pas. Caché derrière un truc comme ça. Bon, j'ai pas la solution. Dans ce jeu, il y a quasiment tout qui est à jeter, quasiment. Il n'y a pas grand chose de sauvable. Donc voilà, donc je m'arrête là, ça me saoule un peu. Ça me déçoit. Du coup, je m'arrête là. Dommage, je voulais pas faire un stream en étant blasé comme ça, mais ce jeu est tellement décevant. J'ai joué 2 heures de déception. Je pense que je vais demander mon remboursement. Je suis à moins de 2 heures de jeu. Je vais essayer de demander mon remboursement, ouais. Ouais. Je vais retourner sur l'excellent Retro Machina qui est sorti avant-hier. Je surkiffe ce jeu, un vrai coup de cœur. Je peux plus le lâcher. J'ai déjà fait le jeu une fois quasiment 100%, là. Je vais... me le recommencer pour le fun. Lui au moins c'est un bon jeu. Donc voilà, donc c'était Clad sur Quantum Replica. Je ne vous le conseille pas. En tout cas, si vous avez aimé ce que vous avez vu, ce que j'en doute fortement, achetez-le, il coûte même pas 10€, donc c'est pas cher. Mais honnêtement, ça vaut pas le coup. À éviter. Voilà, donc c'était Quantum Replica.
Sur ce, je vous dis passez une bonne journée, à très vite pour un prochain stream, amusez-vous bien, ciao ciao.